Alors bonjour à tous, on revient donc aujourd'hui pour le déballage du Redmi Note 2 Prime, donc la version 32Go, donc que j'ai reçu aujourd'hui, donc que j'avais commandé sur eBayGoo, donc qui m'a été envoyé le 17 septembre, et donc aujourd'hui on est le 26, donc voilà, ça a mis 9 jours en fait à arriver, donc très bien au niveau de l'envoi. Donc là, ce qu'on peut voir, c'est un petit paquet assez simple, pas trop de rembourrage quand même. On peut voir d'habitude par rapport à ce qu'on avait sur TO2C, bah là on a une petite enveloppe déjà. Donc ça a été envoyé en poste Enel et on peut voir, c'est marqué mini caméra 20$. Donc on va déballer ça. Si c'est la caméra, je fais la gueule. Hein. Allez, hop, un bon gros scotch qui est mis là. On ouvre ça directement. On a la boîte qui est ici, emballée de papier bulle. Et alors ça, c'est la petite coque. Oh, en plus, une officielle. Putain, je savais pas que c'était une officielle. Ah, putain, je savais pas que Xiaomi avait fait une coque officielle. Donc ça, elle a été fournie gratuitement pour eBayGoo. Hein, donc c'est bien mentionné ici. Hein, donc elle a été fournie gratuitement là pour que je lui refasse donc, la petite review en vidéo. Donc super sympa de leur part, voilà. Donc bah, je vais vous la montrer après, on va déballer quand même le précieux. Donc ça va être un déballage vite fait, hein, sachant que bon, au final, comment dire, je vous referai une review donc avec une utilisation un peu avancée au bout d'une semaine. Donc c'est bien, vous voyez, il est refilmé, là vous avez le petit logo eBayGoo, la petite étiquette ici derrière, et là on a aussi les petites infos donc qui vont nous permettre de voir si c'est un officiel ou pas exactement. Tu vois, il y a une petite étiquette à gratter, puis les images, tout ça. Hop, donc bah ça on connaît, hein. Bon, vous avez vu sur les autres vidéos, hein, sur les Redmi Note et tout ça, on a exactement le même emballage. Hop, alors on va l'ouvrir là. Voilà. Donc c'est déjà intéressant, c'est que voilà, ils refilment tout et tout, donc au final c'est bien, parce que de toute façon ils ont dû l'ouvrir, hein, puisqu'en fait ils ont mis une ROM internationale dessus, donc moi qui va être mise à jour après, hein, je vous ferai un petit tuto pour la mise à jour. Donc là, plus important, c'est déjà vous montrer un peu le bestio. Donc déjà très sympa, hein, niveau design, là, on est sur quelque chose de vraiment pas mal, hein. On va comparer par rapport au Jayu, je vous le mets à côté. Hop, voilà le Jayu à côté. Alors c'est vraiment du... C'est même, ça me demandait si c'est pas copié, quoi. C'est vraiment du kiff-kiff. Vous voyez, même le niveau de l'enceinte centrale, l'appareil photo rond. Attendez, je vais enlever la petite étiquette. Hop, voilà. Donc vous voyez, donc sauf que là, bah, on a un double flash LED. Et là, au niveau de l'écran, alors on va enlever ça. Donc il n'est pas plus grand, en fait. On va regarder au niveau largeur. Niveau largeur, on est à peu près pareil. Putain, j'y arrive, il est plus fin. Le Redmi a l'air plus fin que le Jayu, donc mode nouvelle. Franchement, super sympa. Hein. Vous voyez, je pensais qu'il allait être un peu plus gros, puis au final, non, pas du tout. Pas du tout. Bon, là, ça se voit un petit peu comme ça, là, on va dire, on a l'impression que c'est le Redmi qui est un peu plus épais, là. Mais en fait, vous voyez, là, c'est biseauté, hein, donc au final... Que là c'est forcément c'est un peu moins meilleure prise en main. Donc au niveau intégration écran, on est pas mal, donc on est quasi similaire, hein, sur bon, en plus on est même au niveau technique, on est à quelque chose d'un peu similaire, octocore, 2 giga de RAM. Voilà, donc on va l'ouvrir un peu. Voilà, on l'ouvre ici au niveau de derrière, donc on a bien les deux micro SIM, la carte SD, l'appareil photo, et nous allons enlever la batterie qui va nous dire que c'est une 3020 mAh. Voilà. Donc normalement. Ah, il n'y a pas de scotch. Bon, ça, de toute façon, l'image, je vous le ferai après. Hein. Là, on va juste faire le tour du propriétaire. Voilà. Donc ça, pareil, j'ai recommandé une coque. Hein. Je vous ferai peut-être une vidéo après pour vous montrer les différentes coques que j'ai achetées, plus les protections. Voilà, de toute façon, là, je vais le faire tout de suite. Hein. Hop, on va gagner du temps. Je vais vous faire le déballage de celle-là. Alors c'est marrant parce que j'avais vu qu'ils faisaient que des coques en dur et là ce serait une coque en silicone. Donc ça serait super, hein, parce que je sais que Xiaomi ils font des bons trucs au niveau silicone, donc ce serait nickel. Si c'est ça, eh ben je serais pas déçu. Donc on va voir ça. Ah bah ça, si, c'est officiel. Hein, puisqu'en fait vous allez voir, c'est qu'il y a le logo dessus, je vais vous montrer. Voilà, c'est logoté Mi,
que sur, on va dire, sur des choses non officielles, vous n'aurez pas de logo, hein, ça aura juste les ouvertures, etc. Donc on va tout de suite le mettre dedans, on va voir si ça s'insère. Et ben c'est super, nickel. Alors ce que j'adore, voilà, c'est au niveau des coques ben, officielles, c'est qu'on n'a pas quelque chose donne une trop grosse épaisseur, par exemple sur les bords, etc. On a quelque chose d'assez correct. Alors là, en fait, là je l'ai pris enfoncé. Là, le truc, c'est parce que j'ai acheté une coque noire. Hein. Parce que là, forcément, pour ceux qui ont un peu suivi les sorties du téléphone, il fallait commander en blanc pour l'avoir, monsieur, directement. Sinon, il fallait attendre vraiment une plombe. Et là, je sais pas si vous voyez bien, c'est quand même l'intégration de l'appareil photo et du flash LED qui sont nickel. Bah, ça, c'est de toute façon, c'est de la coque officielle. Alors par contre, là, je vais voir, c'est que le caoutchouc n'a pas l'air de déborder par rapport à l'écran. Enfin, si, mais pas là. Je sais pas pourquoi. Ah, c'est le temps de bien qu'il se mette. Voilà, faut bien le mettre. Et après, voilà, ça fait juste un petit rebord qui va se permettre de protéger l'écran s'il se retrouve dans cette position, en fait, tout simplement. Donc, ah non, franchement, là, je suis pas déçu. Hein. Nickel. Bon, bah, en plus, m'a été offerte. Donc là, je suis super content parce qu'au final, j'avais vu qu'il faisait que des versions dures, on va dire, des coques, mais en fait non, il y a une coque aussi silicone officielle, donc bah super, franchement, bien. Alors, on va regarder le reste de la boîte, hein, même s'il n'y a pas de grande surprise. Alors normalement, donc comme il est censé être quick charge, il doit avoir un bon petit chargeur. On va regarder déjà au niveau du câble, est-ce qu'on a une bonne épaisseur. Bon, ça comme d'hab, hein, on n'est jamais déçu, on va dire, au niveau de du matériel, hein, Xiaomi. Bon, vous voyez, une bonne section au niveau du câble, pas de souci là-dessus. Après, on a le chargeur, donc en prise US. Hein. Voilà, donc là, on est sur du... Attendez, je vais essayer de vous le déballer, voir. Ouais. Voilà. Alors, ils nous disent... voilà, du 2 ampères. Donc voilà, hein, ça correspond. Je sais pas si vous voyez bien, là, c'est marqué... Voilà, 2 ampères. Donc ça correspond bien au fait qu'il est quick charge. Alors je vais ouvrir là, voir qu'est-ce qu'ils nous mettent. De toute façon, c'est marqué aussi sur l'étiquette devant là. C'est marqué ici. Donc ça, c'est bon. Alors au final, qu'est-ce qu'il nous reste? Le fameux bon d'emploi. Ouais, bon, hein, ça, ça passera. Hein. Et qu'est-ce qu'on a encore? Ah! Le petit achat adaptateur qui va bien, donc fourni par eBayGoo gratuitement, hein, donc il n'y a pas de souci. Il est où le chargeur? Voilà, on le met comme ça. Et en plus, ça s'en fiche bien. Alors par contre, ceux-là, ils sont de mauvaise qualité. Hein. Je vais vous dire pourquoi. C'est que moi, j'ai eu des modèles comme ça, où s'ils ne sont pas boulés, bah, en fait, ça s'enlève de l'affiche. Et ça reste dans l'affiche. Donc c'est super sécurisant, parce qu'au final, on peut se prendre un coup de jus. Donc faites attention avec ces modèles adaptateurs, vous voyez, parce qu'ils sont vissés comme ça. Et au final, bah, les fiches peuvent s'enlever. Bon, après, faut voir l'utilisation, mais moi, j'ai tombé sur un modèle où la fiche est carrément restée dans la prise, donc magnifique. Si vous voulez des coups de jus, c'est le moment ou jamais. Et c'est tout. Bon, bah là, au niveau accessoire, bon, on n'est pas plus fourni qu'on pourrait être, par exemple, sur TO2C, qui nous file toujours quelques petits adaptateurs, des petits goodies, on va dire. Mais là, on s'en fout, hein, parce que franchement, bah, je l'attendais de pied ferme, hein, ce modèle. Donc, bah, on va dire, c'est fini pour le déballage. On va revenir après, je vais vous faire une petite revue un peu plus approfondie avec la mise à jour et tout ça. Voilà. Allez, je vous laisse.